hein, du des fonds du Petro-Caribé. C'est petite Petro-Caribé, petite légitime Petro-Caribé, même Jean Duvier, même Jean avec Jean-Marc Bellerive, même Jean Laurent Lamotte, etc. OK, monsieur, c'est petite Petro-Caribé. Ça faut préciser ça. Moi, Yuri pas mettre le bon plan va mettre. Mais ça est très important n'a venir sur Petro-Caribé. Alors bon un petit bagaille pour me conclure. Chaque fois que le pays aura besoin de Reginald Boulos, comme en 2010 après le tremblement de terre, comme en 2014, Reginald Boulos sera présent. Le problème, c'est que chaque fois que Reginald Boulos est présent, les faux politiciens, les faux amoureux du pays cultivent l'art de la falsification et du mensonge pour présenter Reginald Boulos sous un autre jour. Comment peut-on reconnaître les faux amoureux du pays? Nèg qui dans pouvoir depuis 25 ans pas jamais fait rien. Ben nèg qui là dans pouvoir depuis 25 ans. Prends Sénat, regardez combien nèg qui dans pouvoir depuis 25 ans. Qui sénateur, qui t'a occupé l'autre poste, qui t'est chef sécurité premier ministre depuis 25 ans. Implication régionale dans Petro-Caribé, de loin ou de près. Aucune implication. Aucune implication. Pas un dollar de contrat qui vient de jeune. De 2008 à 2016. Écoutez, je vais répondre de manière très claire. Je ne suis pas au courant qu'on dollar Petro-Caribé vient de jeune Reginald Boulos. Pour qui ça m'oblige de dire comme ça? Parce que l'État a un contrat. Il n'est pas obligé de côté le jeune comme l'Albéo. Même pas au courant que Autoplaza, Delimap, jamais figuré dans liste de contrats Petro-Caribé. Jamais. Jamais. Dis public là pour gouverner, ben nous quelques contrats par exemple et la famille Boulos notamment à travers plusieurs entreprises que vous avez, vous avez à l'État. Pas gagné pile contrat à l'État. Puis gros contrat à l'État contre Jovenel Moïse là. Après ça c'est 20 bon délimat, nous compte 20 bon délimat. Et pour qu'avant nous 50 terres, Aristide acheté 40 terres de même. Est-ce que son contrat à l'État 40 terres pas qu'à faire moins. Sous ma télé, tu achètes ton 50 TES pour la police là. Mais son contrat normal lié. Je n'ai pas de gros contrat. Le plus gros contrat que j'aime bien, c'est contrat et achat équipement. Et c'est un contrat plus en faveur de l'État qu'en faveur. MDAME paye net. Son risque me prend pendant 48 mois. Vous imaginez, on va me donner 48 mois pour me finir toucher tout comme là. Par exemple, il y a un qui a fait ça. Mais trois entreprises du secteur privé, et me salue, mettent ensemble, ils font. Ça veut dire que de 2008 à 2016, dans un vaste mouvement Petro-Caribé, et en veux-tu en voilà, en fait, contrat gré à gré, selon ou même ou pas songer, nous pas connaître, ou faire aucun contrat dans Petro-Caribé. De toute manière, il n'y a pas un contrat fait dans la corruption. De toute manière, il n'y a pas un contrat fait dans la corruption. Soit ça veut dire que il n'y a pas un contrat à côté que je vends nos bagailles et que je paye mon bagaille pour lui. Ni que je surfacture. Je ne vais pas vendre kit alimentaire, je ne vais pas vendre courant, je ne vais pas construire route. Ok? En clair, c'est la 3-4 Petro-Caribé à passer. Vous prenez quoi pour nous? Je ne vais pas vendre kit alimentaire, je ne vais pas vendre jouet, je ne vais pas vendre courant, je ne vais pas construire route. Donc de qui ça parle? En clair. Mais mettez à faire là. Mettez à faire là. Est-ce que sous chaque mètre maintenant? Qui t'a alimenté un jour. Et pas job, moi ça. Non, mais même, est-ce que. Non, je ne vais pas faire ça à soi. On va faire le contour, la carreau. Moi-même, mais ça me dit. Que la Cour supérieure des comptes, que le Sénat de la République, pas qu'à régler le problème de Petro-Caribé. Ça fait ça. Il est trop pour eux. Il n'y a pas de moyens d'investigation. Il nous faut une enquête d'experts nationaux et internationaux, indépendants. Et à soi, encore une fois, je fais appel au président Jovenel Moïse. Pour se faire aujourd'hui l'avocat du procès Petro-Caribé. Non, mais lui la donne. Bon, écoutez. Le président en la donne tout. Écoutez, je dis assez lui la donne. Non, mais ça sont nouvelles, peut-être que Mbao, bon, pas de connaître. Non, pas connaître. Mais le président, tu as gagné des contrats Petro-Caribé. Bon, bon, je dis bagaille. Non, mais pour tout ça, tout. Non. Bon, écoutez, bon, mal aller plus loin. C'est ça qui a fait plus gros fossé. Pour le mari tête-lui? C'est ça qui a fait plus gros fossé. Si c'est président Jovenel Moïse demain matin. Moi, je ne suis pas au courant que le Nabeto Kaye. Non, mais c'est nouvelle, m'bo. C'est au Cap Dim. Oui. Ok? M'bo, je crois. On t'a dit, on dit, m'crois. Ok? Même pas t'obligé de croire.
même dit même si c'est pas vrai. Puis gros bagaille président Jovenel Moïse qu'a fait jodi a. C'est faire appel à une assistance internationale. Faire une commission d'experts nationaux qui est sérieux dans le pays, monsieur. Et internationaux. Retirer tout en politique là-dedans. Faire une enquête sérieuse. Et quand ça va arriver dans le Petro-Caribe, c'est pas comme si il y a un corps qui disparaît, non? Pas comme si il y a un corps qui disparaît, non? C'est quoi un bar qui coûte $7 ou $25? C'est quoi un kilomètre qui coûte $900? Ça veut dire c'est surfacturation. Surfacturation. C'est quoi un courant qui doit vendre 23 centimes, qui vend 35 centimes? C'est quoi un route qui a coûté $800,000 un kilomètre, qui coûte $1.3 million? C'est quoi un jouet qui a coûté 50 cents et puis qui vend pour $3? Et ça lié, oui. Mais senti feeling, non, mais il a fait 9h56. En minute, relation avec Jovenel, il date de qui l'heure? Bon Dieu. L'homme vini, président chambre de commerce en 2004. M'a lancé l'idée de la fédération des 10 chambres départementales. À l'époque, Jovenel était président de la chambre du Nord-Ouest. Je ne connaissais pas Jovenel Moïse. Gade nek Port-au-Prince qui mettait en face moi et qui dit m'pap cité non yo pour m'pap faire du tort. Avec politique là-dedans. Mais le mot était, je suis en train de galvauder le pouvoir de Port-au-Prince. Lorsque je mettais dans la proposition que n'importe quel président de cette 10 chambres peut être président de la Chambre nationale. Et d'ailleurs, nous sommes fait 2 ans, c'est la présidente de la Chambre de la Tibonite qui était présidente de la Chambre de commerce. On m'a dit que j'étais en train de galvauder le pouvoir de Port-au-Prince. Gain l'autre président de Chambre départementale dans la province qui jaloux de petit pouvoir au gain. Parce que tu sais, on aime avoir son petit royaume qui pavle. Jovenel Moïse vient dans le bureau, c'est la première fois que je me rencontre. Il dit, j'ai entendu ta proposition, je vais me battre avec toi pour faire le rassemblement. Et Jovenel Moïse s'est battu avec moi et est un élément important de la réussite de la Fédération des Chambres de commerce. Voici comment je suis devenu l'ami de Jovenel Moïse. Et okay. Je reste son ami. Intéressant. Pourquoi financer un candidat et sur quelle base? Oh, mais c'est le droit de tout citoyen. C'est le droit de chacun de nous. Non, méthodologie, ouais. Ça demande au sous-qui. Non, pas de méthodologie, mais je dois avoir mon nègre. Ok. Américain, je mets trois plus financiers. Je dois avoir mon nègre. En plus de ça, au moment où Jovenel a fait campagne là, Jovenel a une vision, une passion. Je crois là dans le tout. Mais je me rappelle qu'on est investisseur. Et que le financé négat, c'est pas parce qu'il est beau et il est gentil. C'est non. Pas vrai, c'est pas vrai. Quelque part, on va peut-être faut... en retour. Non, c'est faux. Bon, mais c'est qu'on t'y bagaille. Henri, mais c'est qu'on t'y bagaille. La République dominicaine vend 7000 Hyundai par année. On combien toute ma machine ensemble en Haïti par année? 4000. 4000. Donc, le président Djouli va développer le pays. C'est dans ça que je fais quoi? Jou président vini et puis le triple classe moyenne. Ma femme pile quoi? Parce qu'Henri Gaï a vini acheter machine neuf, non même. Blondine a vini acheter machine neuf, non même. Makenne a vini acheter machine neuf, non même. Yo pa pa achete Bogota pepe kap fin kap ba, ke nou blije a pran pan nan la rue a tout jounen. L'homme classe moyenne la augmente. Sou te kon achete $25 chaque fois lan Delimat. Ou pa achete pou $200. Sa lambral fait quoi? M'a besoin président fan rien pour moi. Besoin de développer pays a. Retire peuple a fait tourner classe moyenne. Partager, fait nèg secteur privé payer taxes. Douane, tout n'est payé douane. Suspendre contrebande sous frontière. Ou qu'on comme combien quitte sous frontière? $300 million par année. Il y a parlé de Petro-Caribe comme si nous perdons vos man. Comme là, entre contrebande, fraude fiscale. Et là, nous dit fraude fiscale. Fraude son Jean Bagaré. Nous ne parlons pas seulement de n'est qui gagne business, non? Docteur payé, avocat payé. Oui, ancien premier ministre. Ah, comme exemple. C'est ça que je dis là. Non, au courant de ça tout.
Mais comme c'est qu'avec Reginald Boulos, bon, ils ont son facilité pour parler de contrebande, pour parler de évasion fiscale, fraude fiscale. Ils ont facilité pour parler de ça. Rigueur, ça veut dire, est-ce que vous dites vous-même ou pas dans les AO? Non, baladant. Non seulement baladant, baladant. Oui, à soi, oui, à l'émission, ça. Ils mettent vie en danger. Oui, émission, ça me fait là. Bon, moi, je dis là, à soi. Il mettait vie en danger. Et bien, nous émission. Merci à tout le monde et nous campé. Non, pas un problème. M'assumer. Mais ou d'accord avec que grand pile n'est pas content samedi à soir. Qui soit avec Joël Dib? Joël Dib est un fou. Joël Dib est mon cousin Germain. C'est petit, ce maman. Oui, mais c'est la famille. Son monde qui fout depuis le petit. Je ne parle pas sérieux. Joël dit pas même occuper maman. Maman vive la caille jusqu'à ce que la famille Boulos. Joël dit est un mercenaire qui a vendu même son frère. Joël dit que son frère ont été arrêtés pour de la drogue. Il a vendu son frère a fait 25 ans en prison. Lui, on l'a relâché après un an. Bon, nous allons parler de ça. Pour raison familiale. Non, pas familiale. Familial. Non, pas familiale. Non, pas de penser que c'est monsieur Famou. Nous sommes non, fou. Non. D'abord, je ne pense pas que c'est cousin. Okay, honnêtement, je ne pense pas que c'est cousin. Et il y a un peu de monde qui toujours dit Reginald Boulos, un grand patron, il gagne plusieurs journalistes sous payroll. Je veux dire, comment on garde presse là? Écoute, la presse aujourd'hui en Haïti, est. D'accord, catégorise en trois parties. Et d'abord, d'hommes sérieux. Et deux, trois nègres sérieux dans la presse. Il y a des radios sérieuses. Deux, il y a des radios prostituées. Et trois, il y a des mercenaires dans la presse. Même qu'a dit en grande partie, il y a des radios sérieuses qui font un bel travail. Nous sommes hommes de radio. Non, mais Walfour, il y a des mercenaires dans la presse. Mais des mercenaires. Des mercenaires, elle dit que. Bon, c'est on dit que moi, j'ai un ex-soupéroll, même pas un ex-soupéroll. Non, c'est question que... Non, on non, le non, dit. Non, non. On le dit non, que non. Très souvent non, que. Ça veut dire que. Dans niveau le grand concept, le concept que un journaliste qui a un payroll ou un existait. C'est ce qu'on veut dire. Mais on le dit. C'est ce qu'on dit à fort. Et pas moi qui dis. On le dit. Bon, moi-même, moi, quoi que, il faut, écoute-moi, c'est comme le Parlement. Il y a des hommes sérieux au Parlement. Mais il y a aussi des prostituées. Et c'est comme dans la politique, c'est comme dans le secteur privé. Il y a des hommes progressistes dans le secteur privé. Il y a des contrebandiers. Il y a des fraudeurs. Il y a des monopolistes. Ce pays aujourd'hui a besoin de la coalition des jeunes sérieux parce que en réalité, c'est quoi le plus grand besoin de ce pays? La promotion des jeunes. Nous, les jeunes constituent la plus grande portion de cette population. Et n'a pas gaspillé eux chaque jour. Non pas les jeunes étudiants faculté de sciences, faculté de génie, faculté de médecine, l'opportunité de développer une idée et de trouver le financement pour lui. Ça, c'est le rôle de l'État. Non pas un jeune entrepreneur de petites et moyennes entreprises, l'opportunité pour joindre un crédit qui est en bonne condition. Nous sommes en train de gaspiller notre jeunesse. Et aujourd'hui, il faut une coalition. Des hommes sérieux de la majorité silencieuse, de la classe moyenne pensante et de l'élite progressiste. Il est le président de la République, Jovenel Moïse, Zamion, pays à la condition que l'il est là, 6, 7, 8, nous autres vivons là. Alors, tant que vous dites, vous avez fort. Radio Timon, c'est bon radio qui a fait la violence toute la journée. C'est bon radio qui depuis 6 mois qui a dit, elle déchouquait des limates. Elle boule boulos. Ça, c'est radio, ça y est. C'est bon radio mercenaire. Oh, oh. Monsieur, regardez, où est-ce que vous Fondi ba aux gens œillés. Fondi aux gens œillés. Comment on peut permettre dans un pays qu'une radio fasse la promotion de la violence? La violence n'est pas la solution de ce pays.
Ouais, pays d'Haïti, je dis, son pays qui a un gros abcès. Il y a deux façons de résoudre un abcès. Ou bistouri, ou couper, ou vider, ou drainer, ou mettre antibiotiques, ou penser, et puis il vient mieux. Ou bien le péter pour continuer l'infecter tout le corps. Pays d'Haïti besoin, je dis, à bistouri, qui pour crever abcès. Et bistouri, c'est l'un fait coalition des gens de bien, des gens de la population qui a souffert dans la cité soleil, qui n'a jamais fait personne mal, de la classe moyenne pensante et de l'élite progressiste. Et que nous mettions hors jeu les contrebandiers, les corrompus, les corrupteurs et les gangs armés. Moi, ce deal d'aller à la présidence, c'est quand même un nom, ce deal. Ça arrive pour le président des conseils sur des sujets spécifiques, comme ami. Étant donné que le président est mon ami, je ne peux pas dévoiler la teneur de mes conversations. Non, pas mon dos pour dire. Est-ce que mais ça arrive? Pas la président régulièrement. Pas la président. Moi, quoi qu'autant des masoya ou un bon monde qui gagne et langue en poche. Donc, si c'est là, m'a dit des amis ou m'a dit un bagage, bah c'est que m'a dit président. Parce que ce secteur pour là, il fait nous un pile mal. Non, pas d'accord, dit ça. Non, pas d'accord, dis ça. Je vais prendre un exemple. Non, c'est politique. C'est un secteur qui fait nous mal. Ah, ok. Un bon exemple. Imaginons, le président, c'est bon amour. Le président de la République, il y a un pigou importateur, c'est lui qui contrôle la douane. Et c'est quelque part, monsieur, bon, bah, on est un président, ils ne sont pas expliqués. Le président, mais pourquoi faire ça? Pigou importateur de pays, c'est lui qui contrôle la douane. No comment. No comment. Comment vivre 6, 7, 8? Moi, songer pendant journée 7 là, moi, j'étais texte et m'apprendre qu'on va d'Haïti. Comment vivre? Bon, Henri, bonjour, petit bagage. Premièrement, bonjour, merci publiquement. Ou c'est seul nek jou ça qui m'a dit comment vous êtes, docteur? Comment vous sentez-vous? Voilà le mot que tu m'as dit. Et quelque part, tu m'as inspiré. Parce que, dès que avion, je suis à Mimbraldala, sans Chine d'abraler. Je suis à Mimbral Dallas à 5h du matin. Pendant que l'avion Dallas là, petit point vous dit, il y a une menace sous Delima. Le temps que m'atterri Dallas, pour mal prendre l'autre avion mal en Chine, je dis que je déchouquais Delima. Et pendant que je dis ça, moi, mon Américain, annule les tickets, moi. Bon, mon ticket de retour. Le temps pour me monter dans l'autre avion, pour me tourner à Miami, tout le monde était fini, il était 2h, 3h de l'après-midi. C'est là ça où écrit. Et c'est là ça me répond nous. Et tu verras que ce que je t'ai répondu, c'était le début de la lettre que j'ai publiée une semaine après. Je vais être honnête avec toi, Henri. J'ai écrit cette lettre, les larmes aux yeux. Parce que. Pour moi, c'est une grande injustice qu'on a fait à Reginald Boulos. Reginald Boulos n'a rien fait au peuple haïtien. Reginald Boulos a toujours été le grand défenseur de la justice sociale. Reginald Boulos n'a pas fait son argent dans la contrebande. Il a travaillé dur pour faire son argent. Il a travaillé dans le respect des lois de ce pays. Mais ouais, Manik fin écrit l'être là. Bah, j'aime garder derrière. Dernièrement, me truie ton bagaille. On dit qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Il ne faut pas pleurer le passé. Il faut vivre le présent pleinement. C'est comme ça que Reginald Boulos vit ville. Donc, bah même si j'ai 6-7 juillet encore. Je me sens que j'ai 6-7 juillet parce que son absent lié. Je me sens que j'ai 6-7 juillet parce que 6-7 juillet représentait la grogne du peuple haïtien en bas mourir grand goût, en bas misère, en bas pauvreté. Même pas songer 6-7 juillet pour toi, Delima. Ce qu'un homme a construit peut le reconstruire. Mais ce pays aujourd'hui a besoin de l'énergie de tous ses jeunes, de tous ses fils pour apporter la justice sociale, le partage social, la création de richesses. De commencer par dire nous avons besoin de 3 révolutions dans le pays. La révolution institutionnelle. Remettre les institutions en place. Nous n'avons pas d'institution encore. Remettre la Cour supérieure des comptes. Faire le tournant entre une grosse institution, la Cour constitutionnelle, le CEP, les ministères, mettre à la retraite
les vieillards qui sont dans les ministères pour faire permettre aux jeunes d'avoir de la place, offrir à ces jeunes de la formation pour qu'ils soient des travailleurs, des fonctionnaires publics sérieux, honnêtes, modernes. Il nous faut la révolution économique basée sur la production nationale, le tourisme et l'industrie. Et il faut la révolution sociale pour arrêter l'exclusion, l'exclusion de part et d'autre. Donc, quelque part, aujourd'hui, il faut un rassemblement de nos forces pour que nous capables de mettre ensemble pour nous retirer pays à côté lié à. C'est ça le besoin, je dis. Donc, 6-7 juillet, c'est un message donné à tous les Haïtiens. Ce n'est pas à Reginald Boulos qui l'a été donné. C'est un message donné à tous les Haïtiens que les choses doivent changer. Deux dernières questions avant pour nous finir, pour nous fermer et interview ça. Bon, habituellement, les ou gain des entreprises dans Taïsa, tant que Nissan, plusieurs machines boulées, des Limat, plusieurs produits boulés, des locales boulées. Moi, d'accord que yo couvri par assurance. Et que je dis, tout pour garder à leur flamme, mais dans la réalité, ou pas perdu. Puisque assurance couvrir en fait entreprise ou yo. Et bonjour. D'abord, comme tu m'as posé cette question, je salue mes employés. Parce que c'est pour eux que je travaille, je veux dire. C'est pour eux que je reconstruis. Et un business est comme un bébé. C'est comme vous avez un bébé qui mourit et puis bon, l'autre bébé, puis il a remplacé le bébé avant. Ça n'a pas fait. Deuxièmement, assurance, pas jamais payer tout partout. Puisque toujours, on 20% ici, on 2% ici. Donc, on va se perdre quand même. Et pour ne pas calculer un troisième bagage. Assurance, pas rembourser. 2 ans pour me construire, que je ne vais pas faire profit de ce que je faire. Mais ce n'est pas ça qui est important. Vraiment, Henri, je dis, ah, dans ça, nous y est là, ce n'est pas 3 délimates qui est important. Ce n'est vraiment pas 3 délimates. 673 employés importants. Comment vous avez petit à l'école important. Comment vous avez payé ferme caillou important. Comment vous avez besoin de acheter manger l'important. C'est ça qui est important. Mon grand mentor que m'a salué là, c'est vrai que en pile flèche chevaux et contre monsieur semaine ça, malheureusement, on salue Eric Jean-Baptiste qui jodi a vienne secrétaire général RDNP. Mais il y a des monde qui dit pour monde saute dans Milad Maniga, ou elle tomber non nek bolette. Bon, peut-être même gens avec Reginald Boulos qui en pile monde a découvert à soya. Il y en a gêta pour découvrir qui est-ce qui Eric Jean-Baptiste, mais son gros progressiste. Je fais des bagages extraordinaires. Je veux dire, pas là la jeunesse, pas la pays. Qui gens sont capables d'arriver à reconstituer la classe moyenne? N'a pas tout. Et, bonjour. La classe moyenne doit être reconstituée de 3 manières. D'abord, l'éducation. Nous sommes en train de perdre une génération de jeunes. Nous sommes en train de perdre une génération de jeunes. Il faut reconstituer la classe moyenne par de la formation. Et laisse-moi te dire. Remarquez dans le pays que seule institution créée bien job, c'est BRH. C'est parce que l'Olesti de la Touvini, il a mis à la retraite tous les anciens de plus de 55-60 ans. Et puis, il fait une série de jeunes montés, il va et bail aux formations. Ils vont bonnes. Écoutez, je dis à la, tout n'est qui dans tête BRH, c'est n'est qui te bénéficié de bourse. Ouais, je dis à la jeunesse de ce pays doit devenir le fonctionnaire public moderne de ce pays dans les prochaines années. Est-ce qu'on connaît que l'âge moyen des ministères est de plus de 50 ans? Il y en a qui ont 70 ans, pas qu'à l'en travailler, qui a touché toujours. On doit faire un programme de mise à la retraite. Mais ce n'est pas une mise à la retraite n'importe qui, j'en ai. Son mise à la retraite côté Koro Frimouna, en dehors de pension, 2 à 3 ans de salaire. Parce qu'il a travaillé pour le pays. Mais il n'est plus capable de produire. Et il ne laisse pas la place à des jeunes. Lorsqu'il fait ça, vous choisissez dans chaque ministère 25 jeunes de moins de 35 ans par concours. Ou bien au bourse. Pour aller étudier la modernité. Les nouvelles façons de faire.
Et maintenant, quand tu reviens dans ce pays, tu mets en place pour les jeunes de ce pays des écoles professionnelles à travers le pays, des programmes de crédit pour les petites et moyennes entreprises à travers le pays, des programmes de support aux jeunes qui doivent présenter leur mémoire. Tu mets en place des programmes de bibliothèque à travers tout le pays. Un jeune qui n'a pas université aujourd'hui, là pour le faire mémoire, lui, son smart suit fait le monter. Il n'y a pas un petit grand ordinateur. Comment on voulait le réussir? L'école, lui, a pas même un bon laboratoire, pas même un bon bibliothèque pour aller faire recherche. On a l'université d'État d'Haïti n'a pas un bon campus universitaire. Il faut des campus dans les 9, les 10 départements. Il faut que l'université d'État d'Haïti peut-être s'éclate en université départementale et qu'il y ait une université par département avec un campus. Il faut une bibliothèque dans chaque commune de ce pays. Nous devons d'abord former nos jeunes, ensuite leur offrir un emploi, le faire devenir un entrepreneur. C'est comme ça que renaîtra la classe moyenne haïtienne. Dernière question. Monsieur que en Souéa, on facilite pour répondre à une question. Mais l'obgade d'Haïti, ou on regret, ou on remords, ou on baga ou fait, non période donnée, qu'on estime qu'on fait pays à toi la donne, petit coup gros, qui s'allie? Je ne pleure jamais le passé. Un homme est la somme de ses actifs et de ses passifs. Bah, on sait. Vous faites une vie, quand vous faites une vie, quand vous avez toute la fait une vie. Donc, qui est lié avec le pays? Non, je ne sais pas. Je pourrais dire que mon nez est positif pour ce pays. J'ai contribué à créer beaucoup d'emplois dans ce pays. Je donne à plus de 2000 personnes aujourd'hui des emplois. Dans un pays où l'emploi est une richesse, est un privilège. Je ne vais pas faire masturbation intellectuelle pour me dire mais qui ça me fait mauvais, mais qui ça me pas fait mauvais. Je suis un homme avec ses défauts et ses qualités, avec ses compétences et ses incompétences, avec ses responsabilités et ses irresponsabilités. Mais mon nez, le nez de tout ce que je suis, est un nez extrêmement positif pour le pays. Je suis fier d'être haïtien et je n'ai pas encore fini de travailler pour mon pays. On a bien aimé finir sur notre salut. Cependant, c'est beau quand tu as la parole. Ils sont des milliers, peut-être des millions, qui sont là. Reginald Boulos, qui t'aime prendre deux mounes pour poser une question? Vous parlez? Let's go. 37 11 87 34, deux questions, pas plus. 37 11 87 34, deux questions, pas plus. Seulement deux questions. 37 11 87 34. Nous ne pouvons pas aller plus que ça. Ouais, ça pas. On a fait téléphone à vous rassonner. C'est frise, oui. 37 11 87 34 deux questions, ouais, aucune service hein, forme d'âge ben, yo carré sur 38 98 38 98 75 75 38 98 75 75 deux questions, 38 98 75 75 deux questions, pas plus. Nous avons premier monde en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Bon, téléphone au freeze, sinon et bon, ok, mon auditrice qui est depuis Canada. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Vous allez me poser une question à Monsieur Boulos. N'a pas côté. Oui, c'est concernant employés qui au chômage actuellement. N'a pas de mettre parler, n'a pas de. Oui, oui. Bon, d'ailleurs, je connais, est-ce que mon salaire, c'est par jour que vous payez, ou bien est-ce que son salaire mensuel que vous gagnez? Parce que, vous savez que mon salaire, le fait que c'est pendant 6 jours que vous travaillez, c'est 6 jours que vous payez, bon, vous comprenez la situation, hein? Dans le contexte, c'est sûr que vous n'êtes pas capable de gagner. Mais est-ce que c'est pas un jour touché? Est-ce que son salaire annuel et mensuel et journalier que vous gagnez? Ou du moins, est-ce que c'est un salaire mensuel que vous gagnez? Parce que puisque nous connaissons tout mois qui commence et l'idu,
Et dans le contexte que mon Dieu a le chita, donc est-ce que normalement, il y a une mesure qui a pris après ou bien c'est 6 jours normalement qui a payé? Merci en pile. Bon, d'abord, dame l'a dit un bagage qui n'est pas vrai. Dans le domaine du salaire, tout mois commencé n'est pas dur en entier. Son est vous qui travaillez le 8, pas une entreprise qui a payé tout mois. Deuxièmement, le nous mettez employé en disponibilité, tout bonus et vacances qui étaient accumulés, nous payons au lit. Et nous sommes tous là que nous préparons un bagage que nous pas obligé de faire. Mais tout employé de l'IMAT pour le joindre, yon, et au support de mes délimates. Mais il parlait de 6 jours, est-ce que c'est 6 jours à payer? Bon, par contre, si c'est 6 jours, si c'est 7 jours. Mais c'est comme ça, tout salaire calculé. Et c'est pour ça que mon salaire, c'est peut-être ça que mon salaire, l'offre et salaire là. Si mon travail 15 jours dans le mois, c'est 15 jours de payer. Sauf si il y a 15 jours de congé, qu'on peut payer, on paye 15 jours de congé. Donc, je ne vais pas comprendre exactement la question. Hein, parce qu'elle a commencé par dire quelque chose qui est faux. Tout salaire commencé n'est pas dû en entier. En business, ça n'existe pas. À la radio, si Henri Gueye n'est pas venu travailler encore pendant 3 semaines, pas parce que le malade ou bien parce que il est en vacances, il n'a pas payé 3 semaines. Là. Il a payé 1 semaine de travail. Là. Ok, une dernière question. D'espérer des questions plus. Allô, bonsoir. Grandiose. Mais employé, moi, je nous en pile et nous connaissons. Délimat à travail pour que bon, tout employeur reprenne travail. Femme dit nous, ligne n'y a pas qu'à. Ouais, c'est plus diaspora qui relè là. Mon local, le difficile. Allô, bonsoir. Dernière question. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, maintenant, tant pour M. Reginald Boulos, qui tombe dans la même. Elle est. Par une émission qu'elle t'a fait sur Radio Guinée, pour te qu'elle t'a dit que les paves qui captent machine pas. Par rapport avec les entrepreneurs qui vendent dans la République dominicaine, qui vendent 7000 machines par année. Comme moi, les ailes développées, elle a dit que c'est par rapport avec la classe moyenne qui n'a pas de moyens économiques, qui peut permettre que lui-même n'y a vendre autant de machines possibles. Mais comment lui-même n'y a contribué ensemble avec l'État, au lieu pour ses lui-même personnel, qui est capable d'avoir une opportunité pour faire un prêt dans ONA, que l'oxygène entrepreneur lui-même, l'oxygène qui finit par faire un business, qui est capable de faire même prêt sans influence, sans pas besoin de lui, M. Boulot, pour qu'il soit capable de faire un ONA, pour qu'il soit fonctionner, pour qu'il soit un même pour qu'acheter une machine, même qu'il soit 401 machines par année. Merci. C'est une question, ça me donne comment lui-même, c'est voile. Merci. Très bien, bah c'est une belle question. Et je dis ça, je dis déjà, et peut-être qu'il n'y a pas de temps de lire. Je crois que les fonds, les crédits aux petits et aux moyennes entreprises, les crédits aux consommateurs sont des responsabilités étatiques pour une raison très simple. Ce sont des crédits à haut risque. On n'a pas le droit de demander l'ONA. D'ailleurs, l'ONA n'a pas le droit de faire prêt. Pour un monde qui n'a pas contribué à ONA, il a fait des placements dans des entreprises rentables suivant l'état financier. Mais je dis, je pense que l'État a dû mettre en place. Et surtout pour chauffeur camionnette. Parce que je parle bon petit blague. Un chauffeur camionnette qui est sur Delma, lâche ton pépé, si camionnette ou un pick-up, 7 500 $. Machine a 10 ans de service. Il parle le problème chaque 2 jours, chaque 3 jours. Mais si l'État te permettait à 7 500 $ ça acheter un bus tout neuf, un bus qui a coûté 25 000 $. Pourquoi ça c'est l'État pour permettre lui? Parce que c'est l'État, c'est la responsabilité de l'État. Aux États-Unis, c'est l'État qui permet tout faire. Ou bien, ou bien des fonds, ou bien des fonds, parce que c'est un prêt à risque lié. Qui monde qui peut faire, Henri? Qui monde qui peut faire? Ou pas qu'à prendre un Corbona, ou à le mettre d'ailleurs, pendant ma parler là, l'ONA a financé pour la classe moyenne 800 millions de gourdes de voitures. Pourquoi on est tout improductif? Nous n'avons pas payé. Nous n'avons pas payé. Donc, imaginez, si on continue à faire ça, l'on ne prend pas de pension, l'on ne prend pas de venir. Ce n'est pas le rôle de l'ONA. Ce n'est pas le rôle. L'ONA fait des placements comme tous les fonds. Les fonds de pension aux États-Unis ne financent pas l'achat de voitures. Ils investissent dans des entreprises rentables. C'est ça qu'ils font. Donc, moi-même, je crois que nous étions dans des détails. Ce n'est pas ça le détail là. Encore une fois, allons voir la grandeur
allons avoir un rêve. Bon, bah, comme dit sous Métropole hier, et peut-être m'a dit le bon fini émission, il faut créer le rêve haïtien. Le rêve haïtien aujourd'hui, c'est de quitter le pays. C'est d'aller au Chili, d'aller aux États-Unis. Il faut créer le rêve haïtien. Et le rêve haïtien, pour le créer, il faut l'union de toutes les forces progressistes de ce pays. Il faut rêver en couleur pour atterrir en noir et blanc. Si on ne rêve pas en couleur, on ne va atterrir nulle part. Et moi, je dis toujours dans ma vie, rêvons, rêvons en couleur, et puis n'a pas atterri en noir et blanc. Merci un peu, Reginald Boulos. Je suis content avec vous, Assoya. Merci un peu. Et bon, garde-le à vous. Fonti, garde-le à vous. Il fait 10h26 minutes. Et si vous écoutez la parole, honnête, bonne de café, fini pour 1h30, 2h. Merci un peu, Reginald Boulos. Je suis content, en fait, si vous causez ça avec vous, monsieur, que un peu le monde est content. Et Jean-Marie Joseph, félicitations, mon frère. Vous entrez dans une nouvelle vie. Bon bagaille. Patrick Alex, je vais vous poser des questions. Et puis, Mildo Gifra, mon cher Mildo, désolé. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Et Mildo et Zami Panou, Franzou. Et merci à tout le monde qui est ensemble avec nous. Et Jean-Ismaël Valestin était là. Jenny Castrael était là. Bouchan, bon bagaille, Anderson Bouchan pour support. Blondine Jodia, c'est fait tout. Demain, c'est fait Jenny Castrael. Et puis Mackenzie Nelson, merci à pile parce que vous avez suivi ma F Technique. Reginald Boulos, merci. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous les auditeurs de Radio Méga et à tous les collaborateurs qui ont participé à la préparation de cette émission. Merci un peu tout le monde. Rendez-vous demain pour une autre émission pour garder la parole. Demain, nous avons gagné Kedler Augustin avec Denbal Fonti Palais. Mercredi, nous avons gagné Eric Jean-Baptiste. Et puis, jeudi, si Dieu veut, pas oublier, direction, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, où qu'apprenne Saint-Louis du Sud, où qu'apprenne Jérémy, où qu'apprenne tout. Et nous connaissons Saint-Louis du Nord. Et nous pas oublier ça. C'est lui du nom, nous pas oublier. En tout cas, merci à tout le monde. KBFM, bonne nuit. Rêtez sur Radio Méga.